Oof. Voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom souverain de Jésus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Alpha Omega, bonsoir à vous tous. Dites-moi, est-ce que le son, il est bon Est-ce que le son est bon Est-ce que le son est bon Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que le son est bon Bonsoir à Sandra Ilon, bonsoir à... Bonsoir à Hermine Augustine, No, Nioka. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés sur TikTok, que Dieu vous bénisse, au nom de souverain de Jésus, de Nazareth, que la faveur de Dieu soit sur vous. Bonsoir à ceux qui sont sur Facebook, ceux qui sont sur Youtube, sur Doulos Zoé. Voilà, Vito a dit le son est bon. Voilà, le son est bon. Nous bénissons Dieu pour cela. Gloire soit rendu à Jésus Christ. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour tous ceux qui sont connectés sur TikTok qui soient bénis. Ceux qui sont sur Facebook, YouTube, partout, qui soient bénis. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Pour commencer ce direct, je voudrais commencer par dire merci. Merci à mon équipe d'Europe. Qui, est, qui a fait un travail extraordinaire. Je vous assure. Un travail qu'il faut louer. Excusez-moi. Je dis merci comme ça à toute mon équipe de, de France, d'Europe, pour le travail qu'ils ont fait. Ça n'a pas été facile parce que vous savez, nous avions le culte des familles en Europe. En France précisément. On a eu des familles en France. Et je pense que la prochaine fois, quand je viendrai en Europe, par la grâce du Seigneur Jésus, je vais toucher d'autres pays aussi. On va aller en Belgique, on doit aller en Guadeloupe, on doit aller partout, partout, Dieu m'en fera. Gérer là-bas. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la salle que je devrais avoir, la Lune d'Or, parce que vous savez, on a un problème de grandes salles là-bas à Paris. Il fallait des grandes salles, et la Lune d'Or faisait vraiment l'affaire dont la lune d'or n'est pas disponible pour le 8, la nuit des flammes, la nuit de la turbulence prophétique, et j'avais promis faire une conférence avec les partenaires financiers, et puis un culte de famille basé sur le mariage. Basé sur le mariage, c'est-à-dire parler sur le mariage, former les gens sur le mariage, ramener les valeurs fondamentales et bibliques du mariage. Et rappeler ses valeurs bibliques et spirituelles à tous ceux qui viendraient à ce grand programme. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus Christ, la salle n'étant pas disponible, nos bien-aimés, mes fils là-bas et mes filles, ont travaillé d'arrache-pied pour trouver quand même une salle, une alternative pour permettre que les bien-aimés puissent être servis. Et ils se sont vraiment battus pour que ce culte puisse avoir lieu. Voilà. Sans eux, ça n'aurait pas eu lieu. Donc il faut leur dire merci. Il faut prier que le Seigneur les bénisse, qu'il bénisse chacun d'eux. Parce que ce sont des, 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 des bien-aimés qui font de grands sacrifices pour l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. Ils ont embrassé cela, ils ont embrassé cette mission et la vision. Et que Dieu les bénisse au nom souverain de Jésus. Nous avons... Ce sera, le culte va se passer. Les trois rendez-vous vont se passer au niveau... Euh, des salons du Grand Paris, 8 rue Serpente, 91100 Champigny sur Marne. Donc voilà, donc voilà où nous allons tenir cette rencontre cette fois-ci, c'est où nous avons fait la première nuit de la turbulence prophétique pour ceux qui s'en souviennent. Donc ce sera les salons du Grand Paris, 8 rue Serpente, 94100 Champigny sur Marne. Donc nous aurons trois rencontres. Vous savez. Lorsque je viens en Europe, c'est pas pour m'amuser. Et comme j'ai pas l'occasion d'être là sur de longues périodes avec les frères à tenir des cultes, etc. Et donc, on est obligé de faire des sacrifices. On fait un cumul. On accumule les programmes. Donc, comme je viens, nous serons en programme pendant trois jours. Nous serons trois jours dans la présence profonde de Dieu. Trois jours dans la bénédiction de Dieu. Trois jours dans la joie du Saint-Esprit, dans les ivresses de l'Esprit. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc, nous serons trois jours dans sa présence. Et je voudrais exhorter les bien-aimés, les frères et les sœurs à prendre ceci très au sérieux, à mettre déjà cela dans votre agenda. Nous serons à Champigny, au, au salon du Grand Paris, aux 8 Serpentes, 91 500, 94 500 champignons sur Marne, dont nous serons là-bas le vendredi 8 mars, vendredi 8 mars, pour la nuit de la turbulence prophétique, troisième édition. Vous savez que c'est des moments extraordinaires que nous passons ensemble dans la présence de Dieu, c'est des moments forts, où des miracles puissants se produisent pour la gloire du nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. De ceux qui me suivent partout sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, annonçait déjà la bonne nouvelle. Nous avons trois jours dans ses parvis, trois jours dans sa présence, trois jours dans sa maison. Trois jours, où le Seigneur nous bénira, où il exaucera nos prières, où il brisera les portes, les verrous de fer dans nos vies, où il ouvrira les portes fermées dans nos vies. Donc, je voudrais tout simplement euh, t'encourager, t'encourager, bien aimé, à, à être connecté à ce grand programme. Voilà, je dis bonsoir à l'apôtre Milène Bila, qui est connecté ce soir. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, au nom souverain de Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur arrive, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. D'accord, on, on viendra. Pour le moment, je vais arriver au Gabon et arriver au Congo, Kinshasa, et puis on viendra en Côte d'Ivoire. Donc, chacun de nous doit passer l'annonce autour de lui. On aura trois jours dans les parvis du Seigneur trois jours dans l'intimité du Saint-Esprit. On aura le vendredi 8 mars avec la troisième édition de la turbulence prophétique. La nuit de la turbulence prophétique, ce sera une nuit de délivrance et de restauration. Le Seigneur portera une grande délivrance, une grande restauration dans la vie des gens. Vous avez vu les témoignages de personnes qui ont reçu une parole de prophétie et qui sont partis, la parole s'est accomplie. à dit que les témoignages qui sont donnés en Europe parfois, on a juste besoin de pleurer. On a envie de pleurer, les larmes coulent de tes yeux sans même te rendre compte. Pourquoi Parce que on est touché. Pourquoi Parce que les gens ont soif. Les gens sont heureux de la présence de Dieu. Ils ont une soif. C'est-à-dire une soif extraordinaire, surnaturelle de la présence de Dieu. Et à chaque fois que je suis en, en, en communion avec les bien-aimés de l'Europe, je me sens tellement bien. Je vous assure, c'est des moments extraordinaires. Donc, si vous n'êtes jamais venu. À la nuit de la tubulance prophétique, la troisième édition est le cadeau de Dieu pour vous. Ne manquez sous aucun prétexte à ce grand programme. Donc, vendredi 8 mars, de 21h à 5h du matin, nous serons là dans les salons du Grand Paris 94 500. 94 500, voilà. Champigny-sur-Marne. Dans les salons du Grand Paris, 8 rue Serpente. 94 500, Champigny-sur-Marne. Dans la nuit, la Tubulance prophétique, troisième édition, une nuit de délivrance et de restauration des étoiles qui brillent, ce sera ce vendredi 8 mars de 21h jusqu'à l'aube. Par la grâce de Jésus-Christ, samedi, on a la conférence des partenaires financiers. Dans une restauration financière, Dieu doit nous donner des, des percées financières. Vous croyez que le Seigneur est votre Dieu qu'il est bon, qu'il peut vous bénir, qu'il peut vous restaurer. Vous voulez être un Joseph d'Arimaté. Là, c'est une conférence pour nos partenaires, pour ceux qui sont les bâtisseurs du royaume de Jésus-Christ. Je veux prier pour leurs finances et bénir leurs mains, oindre leurs mains droites et oindre leurs mains gauches en les consacrant à l'éternel notre Dieu. Et le Seigneur bénira le fruit de votre travail. La Bible dit clairement dans Ésaïe 8, verset 10, Dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Moi, c'est 18 ou bien 8, 10 ou 3, 10. Et dites, dites que le juste prospérera et qui jouira du fruit de son travail. Donc Lorsqu'on est juste, on doit prospérer et on doit jouir du fruit de son travail. Donc la journée, la soirée du samedi, ce sera samedi à partir de 16 heures. Samedi 9 mars à partir de 16h, toujours euh, dans les salons du Grand Paris, à 8 rue Serpente, 8 rue Serpente 94-100. Champigny sur Marne, dont nous serons là-bas les samedis à partir de 16h pour la conférence d'impartition financière, pour la conférence de, 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 de dontion financières. dans tous les cas. Nous serons dans la présence de Dieu pour, 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 pour les affaires, pour ceux qui ont des ambitions, pour ceux qui veulent briller dans leur génération, qui croient, qui sont la tête et non la queue, qui sont en haut et non en bas. Pour ceux qui croient qu'ils sont nés pour marquer leur génération, pour laisser leur nom, pour laisser une œuvre qui parlera en leur faveur après leur mort, pour hisser très haut l'étendard de l'évangile de Jésus-Christ par le succès financier matériel dans leur génération, ceux-là, rendez-vous leur est donné samedi le 9 mars, toujours dans les grands salons, les salons du grand Paris, à partir de 16h, dont on aura la nuit de la grande turbulence prophétique ce sera 21 à l'aube, on va se reposer, le soir on reviendra, vous voyez. On reviendra le soir par la grâce du Seigneur Jésus Christ, à partir de 16 heures, pour la conférence d'impartition financière, d'onction financière. Et je veux oindre les mains de tous ceux qui seront présents, et nous allons rentrer nous préparer pour le culte familial qui sera consacré à l'enseignement sur les valeurs de la famille, sur le mariage. Ce sera une formation sur le mariage, un séminaire sur le mariage qui touchera les célibataires, qui touchera les divorcés, qui touchera les mariés, ceux qui aspirent au mariage, ceux qui aspirent un jour à avoir un foyer stable, ceux qui ont déjà un foyer mais qui n'est pas stable et qui prient que Dieu transforme leur conjoint, ceux qui ont un foyer stable et qui voudraient encore avoir plus de secrets pour stabiliser leur foyer. Dans tous les cas, tout le monde est concerné. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce sera dimanche à partir de 10h. Le dimanche à partir de 10h, on aura ce grand culte familial, toute la famille doit être présent. Viens avec ton enfant, viens avec ta femme, ton mari. Si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, venez. Si vous êtes célibataire sans enfant, venez. vous êtes célibataire avec enfant, venez avec vos enfants. Donc nous aurons trois jours avec le Saint-Esprit, bien aimé. Ce n'est à manquer sous aucun prétexte. Trois jours avec le Saint-Esprit. Vendredi 21 à 5 heures du matin. Le samedi à partir de 16 heures en soirée. Et puis le dimanche à partir de 10 heures, on sera ensemble. Donc trois jours dans sa présence. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour mes bien-aimés qui sont connectés ce soir. Que ton nom soit glorifié dans leur vie et dans leur famille. Ouvre-nous l'Esprit Seigneur et amène-nous dans les dimensions inexplorées dans ta parole. Au nom précieux souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. On va revenir maintenant sur le sujet qui fâche. Revenons là-dessus, sur le sujet qui fâchent. Hier, j'ai commencé un enseignement. Vous savez, bien aimé, il faut, il faut qu'on grandisse. Il faut grandir dans la foi. Grandissons dans la foi. Excusez. Grandissons dans la foi. J'ai donné un enseignement qui est celle sur la place de la femme dans l'église. Il faut dire que la femme de tout temps a été méprisée dans les générations. Les femmes ont eu peu de défenseurs dans les générations passées, dans la génération présente. Dans beaucoup de cultures, il faut comprendre que la femme est chosifiée, elle est méprisée, elle est relayée au second rang. Et ce n'est pas ce que Jésus nous a enseigné. La femme n'est pas un sous être humain, la femme a une forte valeur. Et il y a des hommes qui n'aiment pas entendre ce genre d'enseignement. Jésus-Christ est venu, il n'a jamais rabaissé une femme, jamais de la vie. Il n'a jamais donné un enseignement ambigu sur la place de la femme. Mais il a donné un honneur à la femme que les apôtres n'ont même pas tenu après le départ du Seigneur Jésus. Il faut que les gens comprennent cela. Nous devons valoriser la femme en général et la femme chrétienne. Et la femme chrétienne, en particulier, les femmes sont une bénédiction. Pas seulement pour l'humanité, mais pour l'Église, pour la famille, pour les hommes, pour leurs enfants. La femme est un être magnifique que Dieu peut aussi utiliser comme il utilise l'homme. Il faut que les gens comprennent cela. Quoique la Bible, dans Genèse chapitre 2, Dieu a bien mis l'ordre des choses. L'homme est le chef. De la femme, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et la femme est une aide pour son mari. Elle n'est pas une esclave pour son mari. Et c'est là que je ne suis pas d'accord, en fait. J'ai donné un enseignement là-dessus. La femme n'est pas une esclave. La femme, c'est un être humain, au même titre que l'homme. Elle a le même droit au salut que l'homme. Elle a le même droit aux bénédictions que l'homme. Elle a le même droit à la vie éternelle que l'homme. Il n'y aura pas. Un quartier au ciel pour les femmes, parce qu'elles sont des sexes faibles, des sous-hommes, et dont elles, elles ne seront pas. Non, il n'y aura ni femme ni hommes, C'est ce que Jésus a dit. Et Dieu, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les scènes des Écritures. Au jour de la résurrection, il n'y aura plus de femmes ni d'hommes. Mais tous seront comme des anges. Il y aura une égalité parfaite au ciel. Donc Jésus n'a pas dévalué la femme. Il n'a jamais dévalué la femme. Au contraire, Jésus a marché avec les femmes. Il a fait avec les femmes ce que personne dans sa génération ne faisait. Ce qui lui a aussi valu, euh, lui a valu des, des, des menaces et même la mort, en fait, parce que c'était un révolutionnaire. Les femmes doivent être respectées. On doit laisser Dieu faire ce qu'il veut faire avec les femmes, comme il le fait avec les hommes. Nous n'avons pas le droit d'empêcher que la femme soit épanouie. Que la femme serve aussi Dieu, le Saint-Esprit qui est sur l'homme est le même Saint-Esprit qui est sur la femme. C'est le même esprit, c'est le même Saint-Esprit. Il n'est pas moindre dans la femme parce que la femme est femme. C'est le même esprit. Le salut, le droit au salut est égal pour l'homme et pour la femme. Il faut que ces choses-là soient claires. Jésus n'a jamais sous-estimé une femme. Il n'a jamais enseigné, donné un enseignement qui dévaluait la femme. Qui humilier la femme ou qui rabaissait la femme. Et il y a des enseignements qui sont dangereux dans l'église de Dieu aujourd'hui. Et il y a eu des enseignants qui ont enseigné. J'ai dit que moi je suis né de nouveau, dans une église traditionnaliste où tu ne pries pas sans foulard. Et tous ces dogmes humains. Bon, maintenant, les gens enseignent ça. Ils enseignent ces choses. Nous, on ne parle pas. Moi-même, j'ai enseigné ça. On ne parle pas. Personne ne parle. Mais ils veulent imposer ça. Dès qu'une autre personne se lève pour donner un autre point de vue biblique, un autre point de vue biblique, certains de ces prédicateurs vont se lever sur Internet, comme certains m'ont écrit, pour m'insulter, avoir des propos injurieux. Qu'est-ce que la Bible dit Si vous êtes des vrais serviteurs de Dieu, vous dites que moi je suis un faux prophète, parce que j'ai enseigné que la femme, parlant de mon enseignement hier je le misère de la femme, que Dieu peut utiliser une femme, ou il utilise un homme. Avec des passages bibliques à l'appui, et vous m'insultez, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible dit qu -ce Que celui qui dira imbécile à son frère mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est ce que la Bible dit clairement. Oui. Donc la Bible, la Bible, Qu'est-ce que la Bible dit Et dit, vous pourrez pas le propos contre ton prochain. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc si vous êtes des enfants de Dieu, vous mettrez en pratique la parole de Dieu. Mais si vous dites que quelqu'un est un faux prophète, parce que j'enseigne les, que la femme doit prêcher, vous concluez que je suis un faux prophète. Bien aimé, sincèrement, entre nous, et vous m'insultez, qui est faux entre vous et moi, qui a insulté l'autre, je ne vous ai jamais... Je ai jamais posé un propos injurieux vis-à-vis d'une personne. D'un homme de Dieu de surcroît. Non. Vous voulez discuter de la Bible, donner votre argument tout simplement dans la paix. Mais vous, vous n'êtes pas un modèle. Vous insultez. Vous êtes des pasteurs, mais vous insultez les gens. Vous insultez les hommes de Dieu. Vous dites faux. Et tu ne crains même pas que. Et si tu dis que je suis faux et que je ne suis pas faux. La Bible dit que tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est ce que la Bible nous enseigne. Hum? Donc, nous sommes dans exemple, en quoi excusez-moi, je suis en train de, en même temps, connecter mon, mon ordinateur à Internet pour pouvoir lire la Bible. Donc, nous travaillons, nous sommes des serviteurs de Dieu. J'ai donné un enseignement. Vous vous donnez vos enseignements sur les femmes. Vous imposez, c'est que vous imposez aux femmes. Nous, on ne vous insulte pas, on n'a pas insulté quelqu'un. Donc, pour vous, quelqu'un ne doit pas avoir un point de vue différent. Si on a un point de vue différent que le vôtre, on est un faux prophète. Hein mes frères, c'est pas sérieux. Et vous m'insultez. Vous, vous m'insultez, vous insultez un homme de Dieu. Et c'est pour ça que vos brebis aussi ne respectent pas les hommes de Dieu, parce que chaque brebis a l'image de son pasteur, c'est tout. C'est ça la vérité. J'ai lu un commentaire que je n'arrive même pas à retrouver là. J'aurais tellement souhaité retrouver ce commentaire-là. Attendez, j'ai un passage là. J'aurais tellement voulu retrouver ce commentaire. J'ai vu ça sur la page de, de mon fils, le pasteur de. Le pasteur, mon fils à, à, à Garoua, notre pasteur de l'église de Garoua. Mes amis, vous pouvez vous fâcher, nous insulter, dire n'importe quoi. Quand vous allez vous calmer, on prend la Bible, on ouvre la Bible. J'ai J'enseignais bibliquement hier. J'expliquais clairement, selon les fondements bibliques, il n'y a aucun commandement divin venant de Dieu. Comme Dieu a donné par Moïse, ne commettras pas d'adultère, etc. Il n'y a pas un commandement divin où Dieu interdit à la femme de rendre ministère. Il n'y en a pas. Ni Jésus, ni dans l'Ancien Testament. Il n'y en a pas. Et j'ai fait la différence entre la culture juive dans la Bible et la doctrine chrétienne, la doctrine divine, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu. Il faut comprendre une chose. Les apôtres qui ont écrit la Bible étaient des hommes comme nous. Ils appartenaient à une culture. Et ils étaient aussi influencés par leur culture. C'est ça qui est la simple vérité. Et j'ai donné des exemples qui sont très simples. J'ai dit la sainte scène se fait, se faisait avec, avec le, comment on appelle, avec le jus de raisin, avec le, le fruit de la vigne. Nous on ne cultivons pas de vie en Afrique. Donc si Jésus était né ici, on allait faire ça avec le vin de Raphia, par exemple. C'est ça la simple vérité. J'ai parlé d'Apocalypse, de l'histoire de la femme prophétesse qui avait une église et formait des hommes de Dieu. Les gens disent que dans la Bible, il n'y a jamais eu d'exemple d'une femme qui soit pasteur. Je l'ai prouvé bibliquement hier. Écoutez mon enseignement hier. J'ai prouvé par A plus B qu'il y avait une femme contre laquelle Jésus était fâché parce qu'elle avait un esprit de séduction. Et il l'appelait Jézabel. Il lui a demandé de se repentir de son impudicité, de son immoralité sexuelle et non pas du fait qu'elle enseigne la Bible. Jésus n'avait aucun problème avec le fait qu'elle soit pasteur, qu'elle soit prophétesse, qu'elle enseigne. Bon, mes amis, la Bible, là, ne pensez plus que vous pouvez, euh, frustrer les gens ou bien vous imposer, c'est fini. Hein? Le temps de la dictature, c'est fini, mes amis. Vous apportez vos arguments, tout simplement. Mais si tu viens à moi, tu dis que tu es un homme de Dieu. Tu as des propos injurieux, des problèmes, des propos méprisants. Du coup, moi je comprends que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne connais rien des Saintes Écritures. Tu ne connais rien de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Celui qui a Christ en lui ne peut pas porter des propos injurieux envers son semblable. Même s'il n'est pas un chrétien, même s'il est un démon. Qu'est-ce que la Bible dit lorsque l'archange Michael, Michael euh, discutait les corps de Moïse Il dit quoi que Michel n'osa point porter des propos injurieux contre Satan, mais lui dit Satan que le Seigneur te réprime. Il parle à Satan, mais il respecte Satan. Mais vous, vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Parce qu'on touche où ça vous fait mal. On a touché la femme. Bon, vous avez votre façon de voir, votre tradition, votre coutume chrétienne. On a aussi la nôtre. Nous respectons ce que vous êtes et respectez aussi ce que nous sommes. Simplement. Mais si vous venez nous insulter, je dis que je suis un faux prophète, et j'ai vu un commentaire, le commentaire de, dans la page de l'un de mes fils là, qui a, peut-être je vais revenir sur le commentaire là demain, et un de ses frères très gelé Parce qu'il faut faire attention, hein, il y a le christianisme, il y a le fanatisme chrétien. C'est-à-dire, il y a le diadisme chrétien. Il y a des hommes de Dieu qui sont des diadistes, des activistes chrétiens. Ce C'est pas des chrétiens, ce sont des diadistes chrétiens. C'est des terroristes en fait. pas de terroristes. Ça veut dire que ils ont ils ont une façon dont ils enseignent la Bible. Si tu tentes d'enseigner le contraire là, c'est que tu es, tu es faux prophète. Voilà. Donc vous voyez, moi je pense que le respect est de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu va respecter les gens. Si quelqu'un manque de respect aux gens dans son langage, il est désinvolte, etc. La femme, Jésus-Christ a élevé la femme en haut. Il a donné l'honneur aux femmes. Il a marché avec la femme. Il a honoré les femmes en public. Il a honoré les femmes en public. Jésus n'a jamais enseigné sur le foulard. Et je vous ai expliqué quelque chose hier qui est très simple. Moi, je n'ai rien contre les églises qui mettent le foulard. Et tout ça, je n'ai rien contre ça. Parce que ce n'est pas ça qui va mener quelqu'un au ciel. Tu peux mettre le foulard jusqu'à... Tu fermes les yeux. Tu mets ta, toi, ta jupe, ça traîne par terre. Si tu n'es pas né de Christ, tu n'as pas la vie éternelle en toi, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Il n'y a aucun passage de la Bible qui dit que le salut... Est-ce que Bible Jamais. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que si tu ne mets pas le foulard, tu ne seras pas sauvé. La Bible dit clairement et simplement, car Dieu a, a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils uni, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit à ceux, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il vous est sauvé par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas une histoire d'habitude. ne faut pas. pensez pas que le dogmatisme vous a nous imposer ça. Il faut avoir votre conviction, on la respecte et respectez-nous. Maintenant, si vous nous insultez, nous on vous respecte. Qui est un modèle pour la société, pour l'église? Qui est vrai donc? Tu veux m'insulter que je suis un faux prophète? Qui est vrai? Entre toi et moi tu m'insultes. Moi, je ne t'ai pas insulté à cause d'une position doctrinale. Sincèrement dont les faux prophètes maintenant pratiquent la parole de Dieu, plus que vous qui pensez être des vrais prophètes, mes amis, s'il vous plaît, il nous faut un peu d'humilité. Il faut un peu d'humilité. Et je l'ai dit hier, et je le répète encore. Jésus n'a jamais imposé à une femme. Vous voulez me faire entrer dans un thème que je vais développer dimanche Jésus-Christ n'a jamais demandé à une femme de se voiler ou de ne pas se voiler. Le voile ne vient pas de Dieu. Qu'on ne vous mente pas. Les voiles que vous entendez là, dont l'apôtre Paul va parler, la femme doit se voiler, c'était une tradition juive. C'est une tradition humaine. Et j'ai lu des passages bibliques hier où Jésus faisait le repos à cause de leurs tradition humaine qui remplaçait la parole de Dieu. Il n'y a pas un verset de la Bible où Dieu s'est fâché d'une femme parce qu'elle n'avait pas de foulard. Au contraire, des femmes ont prié Dieu sans foulard dans la Bible. Des femmes ont prié Dieu sans foulard et elles ont manifesté, elles ont vu une gloire de Dieu qu'aucune autre femme qui porte le foulard aujourd'hui ne voit. Au début, les femmes ne portaient pas le foulard, mes amis. Les premières femmes qui ont servi Dieu ne mettaient pas le foulard. C'est après que les hommes ont commencé à développer des traditions pour faire la différence entre l'homme et la femme. On a demandé, les juifs surtout ont commencé à demander à la femme, dans la tradition orientale en général, de mettre le voile. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que la tradition judaïque et arabe, c'est la même chose. C'est la même chose, mes amis. Le voile. Donc, posez-vous donc la question. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le voile Dieu a quoi à voir avec le voile L'apôtre Paul a enseigné des choses. Et moi, j'ai dit une chose. Si vous voulez pratiquer la Bible de façon littérale, allez-y. Il y a des choses qu'il faut d'abord commencer par respecter. L'apôtre Paul et l'apôtre Jean ont enseigné. Que la femme ne doit pas enseigner dans l'église. Et j'ai dit que, en tant qu'homme de Dieu, on peut prendre des décisions ponctuelles. On peut avoir une église même où les femmes enseignent et on décide qu'à partir de maintenant, aucune femme ne va plus enseigner à cause du désordre qu'il y a. On peut le dire. On peut dire non. OK. Les, ou bien les jeunes, on peut supprimer la jeunesse dans une église. Au météo, qu'à cause du désordre de l'impudicité qui a parmi la jeunesse, le groupe, le mouvement de la jeunesse dans cette église, à partir de maintenant, les jeunes ne vont plus chanter à la chorale, les jeunes ne présenteront plus de numéros spéciaux, les jeunes ne prêcheront plus. Maintenant, supposons, à... maintenant, supposons que j'étais la porte Paul et que j'avais donné ça. Les générations d'aujourd'hui diraient quoi Que la Bible dit que les jeunes ne doivent pas prêcher dans l'église, les jeunes ne doivent pas présenter de numéros spéciaux, ils ne doivent pas faire partie de la chorale. Mais ils ne comprendraient pas dans quel contexte les choses se sont passées. Mais si vous voulez imposer à la femme de mettre le voile, il y a d'autres versets bibliques qu'il faut aussi pratiquer. Le même apôtre Paul et l'apôtre Pierre, qui ont enseigné sur ces choses-là, ont interdit à la femme, aux femmes de l'église primitive, de se tresser. Donc avant de venir me combattre, moi je vous le dis en toute vérité, en toute simplicité, moi je n'ai, ça dit que, euh, on peut discuter. On peut discuter simplement. Vous voulez m'avoir, qu'on parle bibliquement, on va discuter. On partage, mais faisons-le dans le respect mutuel et dans la fraternité. N'allons pas taxer quelqu'un de faux prophète parce que non, il a dit que la femme doit prêcher. Il a dit que la femme doit se rendre ministère, que Dieu peut utiliser la femme. Vous n'avez pas vu les femmes être utilisées dans la Bible ou c'est le Coran que vous vous lisez, sincèrement. Donc si vous dites que la femme ne doit pas prêcher, j'ai prouvé bibliquement qu'il y a une femme qui avait une église qui prêchait. On ne sait pas les autres. Peut-être les autres, il y en avait encore, mais elles étaient tellement soumises et fidèles. Elles n'étaient pas dans l'immoralité sexuelle, mais dans une vie de sanctification, que la Bible n'en a pas parlé. Mais l'apôtre Paul qui dit que la femme ne doit pas enseigner, a aussi dit que la femme ne doit pas se tresser et que la femme ne doit pas avoir une toilette somptueuse. Donc ça veut dire quoi Ça veut simplement dire que vous devez pratiquer aussi ça. Vos femmes ne doivent plus aller se coiffer. Elle ne doit plus se tresser, elle ne doit plus entretenir leurs cheveux. Elle ne doit pas utiliser des shampoings. Je l'ai dit clairement, la Bible le dit. Elle ne doit pas avoir de toilettes somptueuses. Elle ne doit pas faire ces choses. Pas de shampoing, non. Pas de savon parfumé. Pas de parfum. Rien de somptueux. ainsi que les toilettes Mettez ça d'abord en pratique. Parce que si vous venez dire à la femme, n'enseigne pas. Mais vous venez, le même verset dit aussi, ne te tresse pas. Mais vos femmes se tressent. Vous désobéissez à la loi. Vous désobéissez, vous êtes hypocrite en fait. Vous ne pratiquez pas la Bible. Et vous dites que nous, on est rebelles. On ne pratique pas la Bible. La Bible a dit que la femme ne doit pas enseigner. Mais la même Bible qui dit que la femme ne doit, doit pas se tresser, là, pourquoi vos femmes se tressent Pourquoi elles se coiffent Pourquoi elles vont faire les chignons Elles ne doivent plus faire les chignons. Non. Si elles font les chignons, vous et nous, on est dans le, la même sauce, on est dans la même marmite. Si ta femme, tu dis que la femme ne prêche pas, elle doit aussi se tresser. Mais si tu dis à ta femme de ne pas prêcher, elle doit avoir le foulard. Mais tu laisses qu'elle se tresse, tu n'obéis pas à la parole. Qu'est-ce que tu fais de la parole du commandement que la femme ne doit pas se tresser Vous faites quoi de ça Laissez d'abord Ekané Ferdinand de côté. Laissons les débats. Répondez à la question. Répondez à ça d'abord. Répondez. Vous dites que nous, on induit les gens en erreur. Vous-même, vous, vous n'induisez pas les gens en erreur. Lorsque si vous faites pratiquer une partie de la Bible là, qui vous arrange, parce que là, ça soumet la femme, ça vous donne un certain oh, 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 euh, contrôle sur la femme, elle ne peut plus parler, elle devient une chose, et puis ça, ça nourrit votre ego humain d'homme. Bon, maintenant, l'autre, là, vous désobéissez, là, vous ne parlez pas de ça, pourquoi Moi, j'en parle d'homme maintenant. Il faut qu'elles soient naturelles. Vos femmes doivent être naturelles comme la Bible, Paul et Jean l'ont enseigné, et Pierre l'ont enseigné. Elles ne doivent plus jamais aller se traiter les cheveux. Elles ne doivent plus mettre le pot sur leurs cheveux. Elles ne doivent plus tresser, tresser leurs cheveux. Elles ne doivent plus aller faire le pompon sur leurs cheveux. Elles ne doivent plus tresser leurs cheveux avec le fil. Si elles font ça, vous désobéissez à leur commandement. Dans le même verset, vous désobéissez à un commandement utile, important. Obéissez d'abord à ça. De deux, vos toilettes, vous devez vous laver avec l'eau simple, sans savon parfumé. Vous n'allez pas dans une parfumerie, Votre femme ne doit pas utiliser de lait éclaircissant, elle ne doit pas utiliser des laits de lait de toilette, elle ne doit pas utiliser rien de toutes ces choses somptueuses, des toilettes-là, elle ne doit pas utiliser cela. Quand vous allez finir de pratiquer cette parole, maintenant venez, on va parler. Maintenant, on parle. Mais je ne peux pas discuter avec vous. Parce que vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas du tout sincère, vous n'êtes pas sérieux. Vous ne pratiquez pas toute la vie, vous prenez ce qui vous plaît, ce qui vous arrange. Ce qui vous arrange, vous mettez ça de côté. Vous imposez ce qui vous plaît à tout le monde. Ça ne peut plus marcher comme ça. Internet est venu ouvrir les yeux aux gens. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a créé la femme. Il faut comprendre cela. Il y a des règles qui ont été établies par Jésus-Christ. La femme doit respecter son mari et le mari doit aussi respecter sa femme. Le respect, ce n'est pas seulement la femme envers le mari. L'homme doit respecter sa femme parce qu'un un être humain au même titre. Que lui. L'âme de la femme ne coûte pas moins cher par rapport à l'âme de l'homme. Nos âmes ont le même prix et ont été rachetées au même montant, celui du sang de Jésus-Christ sur la croix. Donc on ne peut pas accepter que les gens viennent nous enseigner des choses qu'on ne peut pas accepter, qui ne marchent pas. Donc je dis que dans les saintes écritures, il faut faire attention entre la, 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 la culture juive et la pensée de Dieu dans les saintes écritures. Il faut que les gens comprennent cela eux ils faisaient comme ça parce que c'était leur femme c'était leur culture à eux jésus n'a pas traité la femme comme les apôtres ont traité les femmes jésus n'a jamais demandé à une femme de se taire dans l'assemblée au contraire il a pris une femme qu'on taxait de prostituée c'est à elle qu'il a donné le message de la résurrection et lui dit va annoncer ça à l'église va annoncer va prêcher ça à mon église Prêche ma résurrection. C'est une femme. Je pose une question. Si la femme ne devrait pas parler devant les hommes, pourquoi Jésus a laissé Marie, l'ex-prostituée, aller prêcher la résurrection où les douze apôtres étaient assis? Les apôtres étaient là. Jean et Pierre étaient au sépulcre. Pourquoi Jésus ne leur a pas donné le message là de la résurrection? Pourquoi il envoie la femme? Ils étaient où? Ils étaient dans l'assemblée. Ils étaient dans l'église, mes amis. Lorsque Marie est venue, elle a parlé, elle a parlé là. Elle a parlé, elle a mené les femmes de côté, elle a parlé aux femmes, ou elle a parlé à toute l'église. Qui s'est tu Toute l'église s'est tu Les douze se sont tu Elle a dit, j'ai un message à vous annoncer, j'ai une bonne nouvelle. J'ai un évangile, l'évangile de la résurrection. Il n'est pas mort. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Je l'ai vu. Et il m'annonce, vous dit, voilà le lieu de la rencontre. Si Jésus-Christ tenait à ce que la femme ne parle pas devant les hommes, devant l'homme, comment Jésus a-t-il donc pu donner à la femme la responsabilité d'aller annoncer aux hommes sa résurrection Et à quel homme Les apôtres. Les apôtres. Répondez à cette question. Répondez. Puisque la femme ne doit pas parler. Parce que parfois dans la Bible, je pense qu'il faut mettre de côté, il faut mettre le, le comportement de Jésus et le comportement des apôtres. Lorsque Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre de tuer et de manger les animaux impurs, Pierre a obéi, il a désobéi. Pourquoi? À cause de sa culture. Il a dit quoi? Que jamais depuis sa naissance, il n'a jamais mangé quelque chose d'impu. Mais qui lui demandait de manger ça? C'était son Seigneur. Pourquoi il ne mangeait pas? La tradition. Il faut comprendre ces choses-là. La tradition. Même lorsqu'il est monté et est entré dans la maison de Cornaï, par ordre du Saint-Esprit, les douze apôtres, les onze apôtres. On fait quoi? Même Paul s'est fâché, hein? Les, les autres apôtres se sont passés contre lui. Ils l'ont pressé excommunié. Parce qu'ils ont dit qu'il a mangé avec les païens. Mais est-ce que Pierre avait tort? Non. Est-ce que c'était Dieu qui lui avait parlé d'aller avec les païens? Oui. Mais pourquoi les autres étaient contre la volonté de Dieu, la parole de Dieu? C'est à cause de leur tradition. C'était des êtres humains comme nous, mes amis. Il faut que les gens comprennent cela. Ce n'étaient pas des hommes parfaits, c'était des hommes qui avaient aussi leur faiblesse. L'apôtre Paul, tout le monde le sait, c'était quelqu'un qui était très colérique. Une fois, il a insulté le souverain sacrificateur et on l'a giflé. Il a insulté le souverain sacrificateur, on l'a giflé. On lui a demandé Est ce ainsi que tu parles au souverain sacrificateur? Il lui avait dit tombeau blanchi. Qu'est-ce que Paul a reconnu? Il a dit je m'excuse. Me, je, je ne savais pas que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit Tu me parleras pour un mal du chef de ton peuple. Donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Jésus n'a jamais muselé la femme, mes amis. Il n'a jamais muselé la femme. Et même au pied de la croix, les, 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 les moments les moments les plus importants de la vie de Jésus-Christ, les femmes étaient présentes. Il a fait participer les femmes. C'était un message qu'il donnait à ces générations-là. À sa naissance, c'est une femme qu'il a allaitée. Il y avait un une femme. Quand il allait à sa consécration, il y avait une femme, la prophétesse Anne. Il y avait une femme. Il y avait une femme. Sur la croix, il y avait les femmes. Il y avait les femmes sur la croix. Au pied de la croix, il y avait les femmes. Les hommes avaient fui. Le seul homme même que la Bible dit, c'était Jean. Les autres apôtres là, les gars n'étaient plus là. Ils étaient partis. À la résurrection, il y avait une femme. Et vous me dites que non, la femme, elle est, elle est reléguée à la cuisine, sa part, sa place, elle parle à la maison. Et même à la maison, on va vous voir, vous êtes des maris dictateurs. Vous êtes des pasteurs dictateurs. C'est ça la vérité vos femmes ne peuvent pas donner leur parole à la maison vous gifler, vous parlez vous insultez vous tenez non la bible dit oh femmes soyez soumises à vos maris et ces femmes gémissent la plupart de ces femmes dans ces églises qui ont les foulards je vous dis la vérité beaucoup le font par hypocrisie d'autres souffrent dans leur cœur se sentent en prison mais sont obligées. à cause du parent ou bien du mari non mes amis il faut faire attention donc, ne pensez pas que vous allez venir commencer à nous insulter, que vos injures vont changer quelque chose. Ça ne va rien changer. Au contraire, même, ça va éveiller mon attention. Ça me fait me rendre compte que ce que j'en sais là, ça a un impact. Dites la vérité aux gens. Dites-leur la vérité. Dites la vérité aux gens. Moi, il y a des choses que je vais vous enseigner sur ce passage de la Bible là. On va retourner dans les étymologies, étymologies grecques et hébraïque. On va comprendre ce que la Bible veut signifier. Ce qu'elle dit, la pensée profonde des apôtres lorsqu'ils ont parlé. Vous ne pouvez pas dire que la femme, Dieu ne peut pas utiliser la femme. Quand le baptême dans le Saint-Esprit est entré dans la chambre haute, là où il y avait les 120, il y avait les femmes dedans. Tout ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas fait de distinction. Mais c'est nous les hommes qui venons faire des distinctions. Et c'est le problème que Jésus avait eu avec les, les, les pharisiens, les scribes, les traditions humaines, qui étaient devenues plus puissantes que la parole de Dieu. Les dogmes qui s'étaient élevés au-dessus de la doctrine chrétienne. Et la femme, elle est muselée dans l'église. La femme s'ouvre, elle n'a pas de parole, elle n'a pas d'opinion et sa conscience est aliénée. On lui impose tout. Elle ne peut pas donner son, 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 son droit, elle ne peut pas donner son point de vue. Elle ne peut pas aussi dire que voici mon avis. On impose tout à la femme. Dès que la femme va ouvrir la bouche, on dit, la Bible dit, soyez soumises. Femme, soyez soumise à vos maris. Mais on oublie aussi que la, Bible, la même Bible dit, mari, aimez vos femmes. Et ne vous aigrissez pas contre eux, contre elles. Ne vous aigrissez pas contre elle. Donc ne soyez pas violent contre elle, que ce soit violence verbale ou violence comportementale. Non. La femme, Jésus a honoré la femme. Et tout vrai serviteur de Dieu honore la femme. La femme, c'est un être spécial entre les mains de Dieu qui peut être un instrument. Un instrument puissant. Dans la Bible, on, on, on peut parler toute la vie des femmes, de comment Dieu a jugé les femmes. On a parlé de Déborah. Dans la Bible, Déborah était juge en Israël. Elle était juge en Israël. Pendant des décennies, elle dirigeait seulement les femmes. Elle était seulement jugée sur les femmes. Non, elle jugeait les hommes. Et le juge était celui qui rappelait la loi de l'Éternel. Elle était docteur de la parole. Elle enseignait la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il laissé qu'une femme soit juge en Israël? Donc Dieu était bête. Et s'il était bête. Il faut faire attention. Et je voudrais vous attirer l'attention sur quelque chose. Moi, je n'ai pas de problème, je le répète. Avec une église où la femme met le foulard. Parce ben, que je sais que vous allez dire que non, je suis un faux prophète. Parce que vous sentez que vos intérêts sont menacés. Parce que vous n'êtes vous pas sérieux. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Quand vous enseignez la femme, nous, vous nous insultez tous les jours. Oh, vos soeurs là, elles pas le foulard. Elles ne vont pas aller au ciel. C'est toi qui as les clés du ciel. Toi, mais tu es sûr que tu vas entrer d'abord. Parfois, même vous jugez les autres, vous les condamnez. Pourtant, vos vies ne sont pas droites devant Dieu. Comment quelqu'un qui a de la haine, qui peut insulter son frère, aura la vie éternelle Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. La Bible dit que celui qui dit imbécile à son frère, à son collègue, à son semblable, ira en enfer. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ton caractère, d'abord, tu ne t'insultes. Un être humain comme toi. Mais si c'est le diable qui est devant toi, tu n'as pas le droit de l'insulter. Tu iras, toi, tu seras sauvé comment? Mais tu ne vois pas la grosse poutre qui est dans ton œil, qui a transformé même ton œil. On ne sait pas à quoi ressemble ton œil. Tu vois la poutre, tu cherches les poutres, tu cherches les pailles dans les yeux de tes frères et de tes soeurs. Non, mes amis. On ne peut pas accepter ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'église doit connaître la vérité. Jésus ne l'a jamais fait. Dieu ne l'a jamais fait. Le Saint-Esprit ne l'a jamais fait. Des femmes ont été utilisées par Dieu pour prophétiser. Maintenant, la Bible dit par exemple que l'évangéliste Philippe avait deux filles qui étaient des prophétesses. Elles étaient prophétesses. Maintenant, je pose la question. Elles étaient prophétesses, prophétesses, elles prophétisaient où Dans les marchés ou quoi la Bible nous enseigne clairement sur comment se déroulaient les services prophétiques. C'était en assemblée. Elle prophétisait en assemblée. Maintenant, ma question, si Dieu peut utiliser une femme pour prophétiser dans une église, pourquoi elle ne peut pas prêcher Pourquoi elle ne peut pas enseigner La prophétie, c'est la parole de Satan. C'est la parole des hommes. Répondez à la question. La prophétie, quand quelqu'un prophétise là, il est en train de faire quoi il fait quoi? Quand une femme se lève en église, en assemblée, elle dit ainsi parle l'éternel. Dans cette église, il n'y a plus de justice. Retournez à l'éternel. Revenez à moi. Quand elle parle là, les hommes sortent de la salle. Le Saint-Esprit la fait parler devant vous, qui dites qu'elle ne doit pas prêcher. Elle n'est pas en train de vous prêcher la justice. Ce n'est pas l'évangile qu'elle vous prêche. La prophétie, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la parole de Dieu annoncée aux hommes. Et lorsque vos femmes prophétisent dans vos églises là, elles ne parlent pas devant les hommes. Paul n'a-t-il pas dit que la femme ne doit pas, interdit qu'elle enseigne, qu'elle parle, qu'elle ne doit même pas parler dans l'église? Qu'est-ce si qu'elle a même une question? Elle doit poser la question à son mari à la maison. Mais là, je demande donc, la femme qui prophétise dans une assemblée, elle ne parle pas? Hein? Est-ce qu'elle n'est pas en train de parler à l'église? Est-ce qu'elle n'est pas en train de prêcher? Est-ce que la prophétie n'est pas le message de Dieu aux hommes? L'évangile, est-ce que ce n'est pas le message de Dieu aux hommes? Il faut répondre à cette question. Le Saint-Esprit vous confond, vous ne comprenez pas. Vous dites que la femme ne doit pas parler. Lui fait parler une femme en pleine assemblée. Il la lève, elle prophétise. Les pasteurs sont là, les apôtres sont là. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, ils se taisent. Ils écoutent comment le Saint-Esprit utilise celles que les hommes sont en train de marginaliser. Mais il faut donc dire au Saint-Esprit que Paul a dit que la femme ne doit pas parler dans l'église, ne doit pas prophétiser. Parce que prophétiser, c'est pas chanter, c'est parler. Il faut répondre à cette question. Pourquoi le saint esprit les fait parler dans vos assemblées Pourtant, vous dites qu'elle ne doit pas parler, mais l'Esprit de Dieu les fait parler. Maintenant, si l'Esprit de Dieu fait parler une femme par la prophétie, pourquoi ne peut-il pas la faire parler en expliquant la parole Puisque la Bible, c'est un livre de prophétie, c'est la prophétie toujours. Aucune prophétie n ne vient sans être tirée des saintes écritures, la parole de Dieu. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence, mes amis. Il faudrait dire aussi au Saint-Esprit qu'elle n'utilise plus les femmes. Parce que la femme ne doit pas parler dans l'église. Si elle veut parler, elle doit parler à la maison. Disons Saint-Esprit ne plus les utiliser à parler aux hommes, à réprimander parfois les hommes. Hypocrite, mes serviteurs, vous m'avez abandonné, vous menez une vie d'hypocrisie, vous menez, elle fouette les hommes de Dieu avec la parole, le Saint-Esprit les utilise, il fouette les hommes avec la parole, le glaive, il met son glaive dans la bouche d'une femme, il fouette l'église pour humilier les hommes, après il se lève pour dire, ah non, la Bible dit la femme n'a pas parlé dans l'église, pourquoi le Saint-Esprit n'a pas fait parler, vous ne dites pas au Saint-Esprit d'arrêter. Il faire attention, mes amis. Ce que vous faites là, ça ne peut plus marcher. Non ça ne peut pas. Je veux parler à une femme qui sert Dieu. Si tu sais que tu sers Dieu dans la justice, dans l'intégrité, dans la vérité, que ton cœur est vrai et droit envers Dieu, n'écoutez pas ces gens qui viennent vous dire que Dieu ne peut pas vous utiliser. Eux mêmes, Dieu les a utilisés en quoi? Ils sont des hommes, il faut la plupart de ces femmes même que vous condamnez, devant Dieu, leurs actes de justice sont plus puissants que les vôtres. Leurs ministères sont plus glorieux que les vôtres, que les nôtres. Il faut faire attention. Donc n'accepte plus qu'un homme. Viens aliéner ton ministère. Sers Dieu. Fais tout simplement pour être un modèle en sainteté, un modèle en consécration, un modèle en sanctification. Tout. Un modèle en justice, en intégrité, c'est tout. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Il faut arrêter de, de, de zigouiller les femmes dans les églises. Ça veut dire une femme qui était bien épanouie, qu'elle était mondaine, elle vient dans l'église. Au lieu d'être épanouie dans l'église, dans la sainteté de Christ, elle est frustrée. Elle est frustrée. Et c'est comme ça, va imposer le mariage par prophétie et les femmes se trouvent détruites et les mariages là ne fonctionnent même pas, ça ne dure pas. Ça met pas long, à cause de ces choses là. Or oh, Jésus m'a enseigné de valoriser la femme. Je crois en la femme. La femme est une paire, même dans sa création, dans la manière dont Dieu l'a créée. De toutes les créatures de la terre, la création de la femme a été différente. Elle a été différente. Non, mes amis, jeune femme. Ne te laisse pas aliéné par qui que ce soit. Ne permets à personne de te montrer que tu es un sous-être. Non, tu es une, un, être, un être extraordinaire. Tu es, tu es un être spécial. N'accepte jamais qu'un homme te mette sous son joug. N'accepte jamais qu'un homme fasse de toi son esclave. Tout homme qui ne reconnaît pas ta valeur, qui ne promeut pas ta valeur, qui ne t'aide pas à valoriser ce que Dieu a fait de toi comme femme. C'est une, une mauvaise compagnie, c'est une mauvaise relation. Coupe ce pont, ce n'est pas quelqu'un de bien. Non, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas quelqu'un de bien pour toi. Un homme doit t'encourager à devenir meilleur. Dieu peut t'utiliser en tant que femme. Si le Saint-Esprit que j'ai, c'est le même que tu as, c'est que, que le Saint-Esprit fait en moi, il peut aussi le faire en toi. Parce que si tu avais un problème, le Saint-Esprit ne viendrait pas sur toi. Mais celle-ci n'a jamais posé un problème que non, les femmes, moi je ne veux plus vous baptiser, je ne veux plus de votre côté. Il n'a jamais fait ça. Dieu n'a jamais fait ça. Il n'y a aucun commandement de la Bible qui a fait ça. Maintenant, je vais vous poser une question qui est simple. Je vais finir avec ça. Répondez à la question. Faites vos commentaires, mais répondez à la question. Répondez à la question. Répondez à ma question. Je la pose doucement ici. Et que chacun réfléchisse. L'apôtre Paul a dit, je vais revenir sur ça dimanche. L'apôtre Paul a dit clairement, que toute femme qui prie la tête non voilée, déshonore son chef. Il m'arrête là. Toute femme qui prie la tête non voilée, déshonore son chef. Pas Christ, pas Dieu. Il dit son chef. Parce qu'il a lui-même défini que le chef de la femme, c'est son mari. Quand on parle de gouné. Gouné, gounéika, en grec ça signifie l'épouse. Il parle de l'épouse. Donc, la femme, s'est gounée. Il ne parle pas de se soumettre à tous les hommes, à son mari. Donc, l'apôtre Paul dit que l'homme est le chef de la femme. Et que toute femme qui prie la tête non voilée déshonore son chef. Donc, maintenant, il dit que c'est une honte pour la femme. Hein, pour l'homme d'avoir les longs cheveux. Je vais revenir sur ça dimanche. Il dit la femme qui prie la tête non voilée déshonore son chef. Son chef, c'est qui je crois bien que c'est ça. Hein. C'est 1 Corinthiens chapitre 11, je pense. Vous voyez. Je vais lire ça. Personne ne parle. Hein. Personne ne se déconnecte. Parce que là. Ils sont... ça, beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas entrer dans ce genre d'enseignement. De, Parce qu'ils ils ne ils savent. Ils ne veulent pas. 1 Corinthiens chapitre 11. Bien. Il dit que la femme. Une femme ne doit pas prier la tête non voilée. Oui. Une femme ne doit pas prier. au oh, ma le dérange. Il dit, la femme ne doit pas prier la tête non voilée. Si une femme prie la tête non voilée, elle déshonore son chef. Et il a mis la hiérarchie là-bas. Et dans certaines églises, donc, on enseigne que si une femme ne prie pas avec le foulard, Dieu ne va pas l'exaucer. C'est faux. Ah non la Bible ne dit pas ça, mes amis. La Bible ne dit pas que. Oh ouais, Seigneur, pourquoi l'ordinateur n'arrive pas à se connecter? Qu'est-ce qui se passe, même? Qu'est-ce qui se passe? Il dit que. Pardon, soyez patient. Laissez-moi, je vais finir ça. Que chacun de nous puisse réfléchir à ce sujet. Hein? Il dit clairement. C'est où le passage? Oh la Bible là dit Dieu que si la femme, la femme, voilà, la femme, la femme, si une femme prie sans foulard, on enseigne donc que si une femme prie sans foulard, Dieu ne peut pas l'exaucer. Ce n'est pas, pas vrai, ce n'est pas la vérité. Et je vais vous dire une chose, il y a eu des femmes qui ont servi Dieu sans foulard et ils ont vu Dieu comme nous, nos femmes qui ont le foulard ne voient pas et ne verront jamais Dieu. Les gens deviennent hypocrites dans les églises. À cause de ce genre de dogme. Quand l'église est devenue une prison, une prison, on fait pression aux gens, on surveille les gens. Mes amis, je ne surveille pas les gens. Hein. C'est le Saint-Esprit qui convainc de la justice du péché et du jugement. C'est n'est pas un prédicateur. Mon rôle n'est pas de convaincre, c'est de prêcher. L'évangile que Jésus m'a confié. Maintenant, je pose une question. On dit que si une femme prie la tête non voilée, Dieu ne peut pas l'exaucer. Dieu ne peut pas l'exaucer. Répondez à cette question. Répondez à ma question. Lorsque Adam et Eve étaient dans le jardin d'Éden, et que Dieu venait tous les soirs, passer un moment de communion avec eux, causer avec eux, Eve avait le foulard ou elle n'avait pas le foulard? Répondez, première question. Eve avait le foulard ou elle n'avait pas le foulard? Première question. Répondez à la question. Deuxième question. Le Dieu qui descendait dans le jardin d'Eden, causé avec Ève, sans foulard, de prier sans foulard, parce que la prière c'est causé avec Dieu. Le dieu du jardin d'Eden, qui descendait avec Ève pendant des années, et qui, dont Ève servait, sans foulard là, il a changé. Aujourd'hui il a changé. C'est pas le même dieu. La famille d'Abel, le juste, ces hommes là, on commençait à servir Dieu, ces hommes au départ, il n'y avait pas de voile pour les femmes, il n'y avait pas de voile, mais ces femmes étaient juste devant le Seigneur. Les traditions sont venues après. Je pose la question, est-ce qu'un jour, Dieu a dit à Eve, ma fille, où ton foulard, mets ton foulard, je suis en train d'arriver, mets le foulard avant que j'arrive, Eve, parce que si tu ne mets pas le foulard, je ne veux pas t'exaucer. Eve, mets le foulard, parce que moi, ton Dieu, je suis en route à en train de venir. Qu ce qui se passait. Pourquoi Dieu n'a jamais dit à Eve de mettre le foulard? Pourquoi quand il a créé, le foulard était si important pour la prière? Pour la prière de la femme devant Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas fabriqué le foulard pour donner à la femme Même quand ils ont péché là, il a cousu les vêtements, il a couvert leur nudité. Pourquoi il n'a pas fait aussi le foulard pour mettre sur la tête de la femme, pour nous enseigner si la femme n'a pas le voile L'apôtre Paul l'a dit clairement et c'est simple. Car Dieu a donné les cheveux à la femme pour voir. Ce n'est pas Dieu qui a donné le tissu sur la tête, le foulard, c'est pas Dieu. L'apôtre Paul le dit clairement. Dieu. Ma Bible m'a lâché aujourd'hui. Dieu a donné les cheveux pour voile à la femme. Mon ordinateur il se connecte, il se déconnecte. Il me faut le wifi. Hum? Maintenant, il faut répondre à la question. Pourquoi Pourquoi Dieu n'a pas cousu le foulard, le voile à la Eve Pourquoi il parlait avec elle avec ses cheveux Pourquoi parce que les longs cheveux que Dieu a donnés à la femme. C'est ça qui faisait la distinction entre la femme et l'homme. Il y avait sa morphologie et il y avait ses cheveux. C'est ça en fait. Le voile, c'est les cheveux. Le voile de la femme, c'est ses cheveux. Ce n'est pas le foulard. Et j'ai expliqué pour finir. Vous ne pouvez pas me dire que vos femmes, la femme a mis le, le voile. Ma femme est le foulard. Et donc elle, elle est en train d'obéir à ce passage de la Bible. Non, mes amis. S'il vous plaît, vous n'obéissez pas à cette Bible. Vous n'obéissez pas du tout à la Bible. Vous n'obéissez pas à la Bible. Le foulard n'est pas le voile. La Bible ne parle pas du foulard. La Bible parle du voile. Mes amis, toute église où on va dire à la femme, il faut mettre le foulard. Il faut mettre le foulard. Parce que le foulard, c'est le voile. Ce n'est pas le voile. Le voile, c'est le voile intégral. Les cheveux, c'est le voile de la femme. C'est ça, c'est ça la vérité. Si vous êtes sincère, enseignez ça à vos gens. Dieu a donné à la femme pour voile les cheveux. La Bible aussi. Aujourd'hui, elle a tout. Elle a donné pour cheveux, pour voile à la femme les cheveux. Maintenant, quelqu'un m'a dit, non, il faut... Vous, vous, le foulard, ce n'est pas le voile. Tu veux que ta femme mette cette parole en pratique Mets-lui -le, le voile, comme vous voyez les arabes là, comme en Afghanistan, comme j'ai dit hier, en Arabie saoudite. Elle doit mettre le voile intégral. C'est de ça qu'il s'agit. Le voile intégral. Si vous ne mettez pas le voile intégral, vous ne mettez pas en pratique cette parole. Vous êtes hors sujet. Le foulard n'est pas biblique. Si vous dites que je suis un faux enseignant, donnez-nous le verset biblique qui dit que je suis une femme prise sans foulard. Et allez voir la définition du foulard et la définition du voile. Et vous revenez. Donc il faut, il faut bien aimer que les choses changent. Que les gens comprennent que le Dieu que nous servons là, c'est pas seulement vous qui le connaissez en fait. Donc voilà, bien aimé, <laughs> répondez donc à mes questions. Je vais parler à mes amis qui vont m'écrire après pour m'insulter. dire que je suis un faux prophète. Il n'y a pas de problème. Bravo à vous, les vrais prophètes. C'est que mes mains sont occupées. J'allais applaudir pour vous. Les vrais. Nous aussi, on va faire comme pour être vrai comme vous. Et. Ouais. Seigneur, aie pitié de nous aussi. On veut aussi être vrai. Comme nos frères sont vrais. Ouais, ils ont même fait quoi, Seigneur, pour que tu fasses qu'eux euh, soient vrais. Donc, tu as fait quoi pour être faux Donc, allez répondre d'abord à toutes les questions-là. Quand vous répondez aux questions-là, vous les justifiez. Quand vous aurez justifié toutes ces questions-là, maintenant, vous revenez. La Bible dit qu'en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, sans l'homme ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez vous-même s'il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. Jugez vous-même s'il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. Et là encore, je dis, il faut faire... Attention et distinguer ce qu'on appelle la culture juive. Jugez-vous, messieurs qu'une prie, une femme prie sans être voilée. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé avec Eve Pourquoi donc Eve priait sans être voilée Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé La différence était donc quoi Il faut répondre à la question. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Là encore, on va revenir, je vais vous montrer que ça, c'est la culture, je vais vous prouver par A plus B, que c'est ça là, c'est la culture. Demain, on va parler de ça. Ce qui dit là, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux On va on va parler de ça. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Maintenant, la chevelure lui a été donnée comme voile par qui Répondez. Et maintenant, où il dit que, n'est-il pas, jugez-vous-même, est-il normal qu'une femme prie sans être, être voilée Voilà, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée Ce voile qu'on met sur la tête là vient d'où De qui Il parle de deux voiles. Le premier voile, c'est le voile qu'on met la burqa, le voile intégral. Ça, c'est le premier voile. Les femmes juives, qu'on voit les Arabes là, c'est la même culture. C'est comme ça qu'elles mettaient le voile. Quand il dit que jugez vous-même si ce n'est pas une honte pour la femme. Une honte par rapport à qui? À Dieu ou à l'homme. Chez moi, dans ma culture nordique, au nord là, la femme, lorsqu'une femme vient où il y a les hommes, elle est obligée de mettre le voile. Elle couvre sa tête. Mais quand elles sont honteuses, elle les enlève. Et quand elles arrivent où il y a les hommes, elles mettent sinon, si on voit les cheveux, on va les maudire. Mais en, en, en dessous de cela, l'apôtre Paul dira que c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux parce que les cheveux lui ont été donnés comme voile. Par qui Par Dieu. Donc mais si quelqu'un a déjà le voile, moi je lui impose un autre voile. Et en plus, ce n'est pas ma tradition, la tradition juive. Donc moi je pense que voilà, chacun répondait donc à toutes les questions que j'ai posées une après une. Et maintenant, vous m'attaquez. je vous répondrai. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Et toute page. Et Canette Ferdinand, à laquelle vous êtes abonné, qui n'a pas 381 000 abonnés, n'est pas ma page. C'est une fausse page. Donc faites attention, désabonnez-vous. Cette semaine, nous avons la nuit des flammes, ici à Yaoundé, à la bille. De 21h jusqu'à l'aube, ça sera puissant. La nuit des flammes, et nous préparons le culte des familles. Et après ça, je vais aller en France, par la grâce du Seigneur Jésus. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose, bien-aimés. Connectez-vous à ma page. Si vous n'êtes pas abonné, sur TikTok, abonnez-vous. Sur Facebook, s'il vous plaît, abonnez-vous. Faites attention aux arnaqueurs qui sont en train de vous écrire en mon nom avec des fausses pages et copiant tout ce que je fais, ils vous lancent des appels vidéo en copiant mes, enregistrant mes images, ou bien des appels audio et ils mettent des fragments de mes paroles dans mes émissions qui coupent sagement. Donc, faites attention. Toute page où vous êtes abonné qui n'a pas 381 000 abonnés, c'est une fausse page. Ce n'est pas chez moi. C'est des bandits. Ils vont vous demander, de vendre l'huile. Vendre tout ceci les mouchoirs, l'eau et tout cela. Vous allez envoyer votre argent, vous pouvez l'appeler, vous pouvez prendre l'appel. Ou vont demander de l'argent pour prier sur vous. Envoyer des prophéties, nous ne faisons pas cela. Donc soyez prudent. Regarde où tu es abonné là. Si n'est pas 281 000 abonnés, je parle de la page parce que mon profil a déjà le mon profil a le badge bleu. Regardez le profil. Et Canet Ferdinand, c'est moi. J'ai déjà la certification de Facebook. J'ai eu la certification, je bénis Dieu pour cela, et on est en train de se battre pour que la page soit certifiée, et nous y parviendrons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc que Dieu te bénisse au nom de Jésus, restons vigilants. Rendez-vous demain quand il sera 21h. Désolé, hein, si vous êtes fâchés, désolé. Pour tous les habitants de l'Europe, je vous donne rendez-vous. Tous ceux qui sont en Europe, passez l'annonce autour de vous. Je serai à Paris pour trois jours dans la présence de Dieu, trois jours dans les ivresses du Saint-Esprit, trois jours qui changeront ta vie à jamais. Vendredi le 8, vendredi le 8, euh, mars, de 21h à 5h du matin, nous aurons la troisième édition de la nuit, la tubulance prophétique, qui sera dédiée à la délivrance des familles. Ce sera une nuit de délivrance des familles, parce que la famille est sacrée devant Dieu. Donc, avec tes enfants, ne laisse personne à la maison. Regardez comment je sais Dieu ma fille Jemima. Je l'amène à l'école, à, à l'église, quoi qu'elle soit élève. Elle va à l'année de prière, elle veille avec moi. Tous les programmes, je l'amène avec moi. C'est comme ça qu'on forme l'enfant dans les voies du Seigneur. Faites la même chose en Europe. Je bénis Dieu déjà pour votre abnégation, votre zèle. Alors, vendredi le 8 mars, nous serons à Paris. Nous serons à Paris par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'année de prière, ce sera de 21h à l'aube. Et samedi, le 11 mars, à partir de 16h, nous aurons la conférence des partenaires. Je veux prier pour les affaires, les projets, en fait, les projets que tu as dans ta vie, les difficultés que tu as financièrement parlant. Dieu doit t'élever dans ta famille, dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Ce sera dans les salons du Grand Paris, 8 rue Serpente, 94 500 Champigny-sur-Marne. Les salons du Grand Paris, 8 rue Serpente, 94 500 Champigny-sur-Marne. C'est la première salle où nous avons fait la première édition de la turbulence prophétique. Donc, soyons très nombreux. Dieu veut te bénir. Tu veux être un partenaire financier. Tu veux être une bénédiction pour la mission. Tu veux dire, Seigneur, je veux soutenir cette mission. Même si c'est combien que Dieu met dans ton cœur, d'après l'alliance que tu as avec le Seigneur, d'après l'amour que tu as pour lui, d'après ta consécration, l'enveloppe te sera donnée à la nuit de la turbulence prophétique, la nuit de la délivrance des familles. Une enveloppe sera mise à la disposition de tous les partenaires et nous aurons notre conférence de partenaires à partir de 16h. Je veux en vos deux mains. La main droite et la main gauche. Et il y aura des proclamations prophétiques fortes et puissantes pour que tes finances soient libérées. Que la bénédiction de mon Dieu sache sur ta vie au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la grâce de Dieu, dimanche, on aura le culte des familles dédié au séminaire sur le mariage. On va briser les tabous. On va briser les barrières. Les célibataires seront nourris. Comment préparer le mariage Ça sera, euh, Nous serons déjà euh, le 8, le 9, le 10. Dimanche le 10, à partir de 11h. Dans les salons du Grand Paris, 8 rue Serpente, 44-594-500 Champigny-sur-Marne. Donc nous serons là-bas dimanche à partir de 10h. Pour le culte des familles. Chacun viendra avec. Sa famille, ses enfants, il y aura l'eau On va faire des démonstrations puissantes dans les dimensions spirituelles. La gloire de Dieu se manifestera puissamment. Les familles seront consacrées à Dieu et ce sera le dimanche du mariage, du séminaire sur le mariage pour les célibataires, pour ceux qui sont mariés mais ont des problèmes, ne sont pas en paix dans leur foyer et pour ceux qui sont mariés, qui ont la paix et qui veulent encore avoir plus de paix, plus d'expérience avec le Saint-Esprit, pour les divorcés, pour les veuves et les veuves, nous serons tous concernés par ce grand séminaire. Et Dieu te donnera ton mari, Dieu restaurera ton foyer, Dieu te donnera la joie dans ta vie sentimentale. Que Dieu te bénisse. Vendredi, qui est en train de venir, j'ai la nuit des flammes ici à Yaoundé, à la bille, la gloire de Dieu sera puissante au milieu de nous. Et la semaine qui suit, par la grâce de Dieu, je serai certainement à Douala, ou bien à vous confirmerai cela. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus Christ. Amen. Je te souhaite une très belle nuit dans la présence du Seigneur Jésus. Femme, tu es une perle rare dans la main de Dieu. Jésus Christ t'a valorisé. Ne permet à aucun homme de te dévaloriser. Shalom. Moi, je crois en toi. Bye.